suis quand même un peu impressionné de autant de monde qui ont pris un vendredi saint pour venir ici. Je serais resté couché un peu avec la pluie. C'est inhabituel pour moi de parler de autre chose que notre parcours. T'sais, je pense que j'ai pas l'impression d'avoir réussi encore. J'ai pas l'impression non plus d'avoir des conseils ou des trucs à donner. Donc, je vais parler du thème du courage, mais avec vraiment je vais dire l'histoire la plus près de la nôtre, parce que c'est la seule que je connais, c'est la seule que je maîtrise. Puis, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions. Je suis plus à l'aise de cette façon-là. Donc, si jamais à cours de route vous avez une question, vraiment levez la main, ça va me faire plaisir. Ah, ça c'est ma face. Donc, le courage. Avant de rentrer à l'intérieur de ça. Rapidement, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai une famille de 6 enfants, 3 gars, 3 filles, toutes nées au mois d'août. Donc, mes parents avaient un bon timing au mois de novembre. Là, c'est... Et je suis déménagé à Montréal pour les études en design. Donc, moi, ma vision, je voulais faire de la grande publicité. Je voulais, finalement, tu sais, le petit Jaco avec sa patate frite, là. C'est ça qui m'a intéressé. Je dis, je veux faire ça. Et j'ai étudié en design à Marie-Victorin, à l'UQAM. J'ai fondé une première petite agence très minuscule qui s'appelait Elliott à l'époque. Et Fanodin, Eliane, qui est cofondatrice de Bicide, était notre première employée, il y a 10 ans. Donc, de là, je me suis retrouvé chez Sidley, travaillé en publicité pendant un bon bout. Puis, de là, ben, fil d'événements, je me suis retrouvé à lâcher la pub, partir une manufacture en Abitibi. Et un média. Donc, c'est un peu ce parcours-là que j'aimerais discuter avec vous. Donc, je me suis posé la question. Ça marche pas, hein? Un, deux. Ah! Je me suis posé la question, c'était quoi le courage? Puis, j'ai essayé de sortir une définition. Pour moi, c'est poursuivre une idée en sachant consciemment les défis, les efforts et les risques que ça comprend. Puis, tous les mots là-dedans, pour moi, sont importants parce que si tu n'es pas conscient, pour moi, c'est de la témérité ou de la stupidité ou de la naïveté. Peu importe. Parce qu'au final, ben, tu avances et tu n'es pas conscient qu'il y a un risque, tu n'es pas conscient qu'il y a de l'effort. Deuxièmement, je pense que c'est important la notion de défi. La notion, il y a comme un enjeu. Il faut qu'il y ait un risque puis c'est pas nécessairement facile. Puis comment je le traduisais? Ben, c'est un peu comme une formule mathématique. Fait que c'est une idée en action. Si ton idée, finalement, elle est juste dans ta tête, ben, ça prend pas tant de courage. T'sais. Tu l'as, t'en parles puis tu fais rien. Donc, il faut qu'elle soit en action, il faut que ça bouge. Ensuite, le risque plus l'effort. Pourquoi il y a un fois entre les deux? C'est que si ton risque plus l'effort est à zéro, ben ça donne zéro. Fait qu'il n'y en a pas de courage. Fait qu'il faut vraiment avoir cette addition-là. Puis après ça, ben, tout dépendant, c'est quoi la hauteur du risque, c'est quoi la hauteur de l'effort que ça prend, ben ça va. Puis la grosseur de l'idée, ben je pense que ça peut donner une dose de courage. Puis ça dépend de chaque personne. Donc moi, la première période. C'est drôle parce que les gens disent hey, « t'étais courageux de quitter la pub », puis c'est pas moi qui ai été courageux. Vraiment pas. Au départ, là, ça c'est le constat que j'ai fait. J'ai juste eu une espèce de conscience personnelle. Là. Je vendais des affaires inutiles à du monde que je connaissais pas. Puis c'était ça ma job. Puis j'étais très bon à ça. Puis j'aimais ça, tu sais, pendant un bout. Puis l'extrême que je donne, c'est que je me suis retrouvé à faire une pub pour New Era, qui était pour la Ligue majeure de baseball aux États-Unis. J'étais à Los Angeles et j'étais sur le toit d'une montagne qui donnait vue sur le LA Dodgers Stadium. Et j'avais engagé le chum de Rihanna à l'époque, qui était Matt Kemp. Pour être dans la pub, on avait une Ferrari, on avait un paresseux dompté qui était dans la Ferrari. On avait finalement, c'était tout un système de Back to the Future. C'était n'importe quoi. C'était vraiment comme n'importe quoi. Puis tout ça pour vendre une calotte, c'était ça là. Ça avait coûté 1 million en production. Puis pour ceux qui, tu sais, si vous le partez une compagnie maintenant, vous êtes 1 million là, vous pouvez faire un bout en tabarouette. Et le client finalement l'a même pas utilisé. Fait, moi, ça faisait 6 mois de ma vie, je travaillais corps et âme sur ce projet-là. C'était comme ça ma réalité. Tu sais, moi, c'était comme toute ma vie, c'est ça. Puis quand je parlais à mon père, c'était comme ouais, je suis allé finalement jouer de la musique à l'église aujourd'hui. Puis toi, tu sais. Fait que sa réalité puis la mienne était tellement différente. Fait que quand j'ai quitté la pub, c'était pas nécessairement une notion de courage, c'était plus comme j'avais ce feeling-là en dedans de je me sentais pas utile. Puis au même moment, je me cherchais, là, je me suis retrouvé dans une autre agence, tout ça. Et Guillaume Leblanc, qui est mon partenaire, honnêtement, lui, c'est un vrai courageux. À ce moment-là, là, c'est lui qui avait tout le courage. Parce que lui, il travaillait comme ingénieur dans une manufacture, mais une minière.
et faisait énormément d'argent, travaillait 6 mois par année, 6 mois off. Puis Guillaume et moi, on avait le même système de valeurs. Fait que vraiment un système qui était relié à la nature, l'humain, être proche des gens. Puis c'était très loin de son système de valeurs. Même crise un peu que moi j'ai vécu. Mais lui, là, il est passé à l'action. Moi, j'ai juste changé d'agence, tu sais, j'ai juste changé le problème de place. J'avais encore des bons salaires, j'avais encore une espèce de fierté, tout ça. Et Guillaume, lui, il a tout lâché, il a acheté des moules de canot-kayak. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Guillaume voulait investir dans une compagnie. Il a entendu parler qu'il y avait une compagnie de canot-kayak près de l'Abitibi en Ontario. Il a appelé la directrice générale, il est allé la voir. Le mardi après-midi, mardi matin, le syndic de faillite avait fermé l'entreprise. Fait qu'un geste courageux, Guillaume a acheté les moules de canot-kayak sur le fly, sans savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec, mais il savait que c'était pour être tough. Et lui, il a tout lâché. Il a lâché son salaire, il a lâché la sécurité, il a bâti une manufacture. Et là, il m'a appelé. Puis il dit, écoute, j'en ai un, j'ai besoin d'aide pour bâtir mon plan d'affaires, le plan de com, tout ça. Et j'ai dit, parfait, je vais t'aider. Fait que là, les gens, tu sais, ils pouvaient dire, ah, c'est courageux, t'es embarqué là-dedans. Mais moi, au début, j'avais encore ma job, j'avais encore ma sécurité, j'étais encore à Montréal. Tu sais, tout était cool. Puis, à un moment donné, je voyais Guillaume rusher. Tu sais, ça allait mal, c'était tough, la manufacture, c'est vraiment pas facile. Et là, on perdait de l'argent, les employés, c'était difficile, c'était rushant. Puis moi, je fais, ben, on a fait 5, j'arrivais le soir à la maison, je faisais un petit peu de travail pour la compagnie. Et j'ai dit, non, ça me tente d'aller dans les tranchées avec lui. Tu sais, faut vivre ça ensemble parce que si dans 5 ans, je me réveille, puis lui, il a rushé, moi, j'ai vécu sur le sideline, ben, on sera jamais connecté le restant de notre vie. Il va toujours avoir ce gap-là. Là, je dis, OK, je donne ma démission. Puis ça, c'est la photo que Guillaume m'a envoyée le matin que j'ai donné ma démission. Et honnêtement, c'est chiant, là. C'est tough. Puis pourquoi c'était tough? C'est que la part de risque versus la récompense à ce moment-là était démesurée. Moi, je perdais un salaire, je perdais une espèce de, je veux pas dire notoriété, mais ça allait bien. J'avais tout dans ce moment-là. Tu sais, j'avais des beaux contrats, j'avais un bon salaire, c'était facile, tu sais, ça allait bien. Puis l'autre côté, c'était quoi la récompense? J'étais comme, je sais pas, tu sais, c'était pas une récompense monétaire, c'était pas une récompense qui était claire. Et fait anodin, j'ai réalisé ça la semaine passée. Je n'avais pas compris à quel point, pour moi, le monde de la pub était dur à sortir. Parce que jusqu'à tout récemment, mon titre chez Abitibenco, c'est cofondateur et directeur de création. Mais pour une manufacture de canot-kayak, ça veut rien dire. Directeur de création, c'est un titre qui est hot en agence, mais ça veut rien dire dans une manufacture. Fait que j'avais comme une espèce de sentiment d'imposteur de dire non, je suis directeur de création, tu sais. La gang qui, pendant 10 ans, c'était eux que je trouvais important, le regard, je voulais encore qu'ils sachent que j'étais directeur de création. Puis maintenant, ben, j'accepte d'être entrepreneur. Mais je m'étais pas rendu compte à quel point c'était important puis c'était dur de sortir de ce monde-là. Fait que je pense que ce qui a fait que le, tu sais, risque versus récompense. La récompense, c'est les valeurs. Fait que Guillaume et moi, on a un système de valeurs qui est tellement proche et ça justifie pourquoi que c'est dur, ça justifie pourquoi que c'est long, ça justifie pourquoi on se bat puis on prend des risques parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, c'est très clair. Par contre, c'est pas super clair comment on va se rendre. Parce que si on savait exactement les étapes de 1 à 100, il n'y a pas tant de risques. Tu sais que c'est long. Puis finalement, ben, je pense que c'est tellement important d'avoir quelque chose qui est proche de ton système de valeurs. Ça, c'est la réflexion que j'ai depuis quelques mois. Catherine, qui est là, notre éditrice en chef chez B-Side, elle m'entend beaucoup parler de ça. Un, je pense que ça prend du courage pour bâtir un projet, une entreprise, de prendre des décisions en fonction d'un idéal. Pourquoi? Parce que l'idéal, c'est du contre-courant. Quand on a parti le magazine, c'était à contre-courant. Magazine imprimé pendant que la presse imprimée est en train de mourir. Revoir le système de publicité qui dit que 70% de ton contenu est publicitaire. Nous, on a seulement un partenaire. De revoir le mode de distribution pour pas perdre 70%. Donc là, on était vraiment dans l'idéalisme. Et nous, on était comme, magazine imprimé, pas de pub, on l'imprime et on le gaspille pas. C'est quand même intense. Puis quand tu es trop dans ton idéal, le danger, c'est que ça marche pas, c'est que ça plante. Puis quand ça plante, tu deviens cynique. Puis je pense que quand tu deviens cynique, là, c'est fini. Tu sais, t'es amer, puis tu deviens vraiment une personne désagréable. De l'autre côté, quand tu es trop réaliste, ben, tu es dans le statu quo. Puis c'est la même affaire, tu bouges plus. Là, tu es juste comme, ben, c'est une merde, c'est correct. Puis je pense que le courage, c'est de naviguer entre les deux. Parce que nous, on a fondé deux entreprises qui sont dans l'idéal. Tu sais, on ramène les gens dans le bois.
par le canot-kayak. On construit à la main, on diminue le plus possible notre empreinte écologique, on ramasse un sac de vidange par canot-kayak qu'on construit. Nos employés ont accès au quai chez Guillaume en tout temps. Mais il reste que faut quand même que ce soit rentable, parce que si l'entreprise n'est pas rentable, ben toutes ces belles structures-là plantent. Là, on va devenir cynique. Mais il faut quand même être réaliste. Puis être réaliste, c'est que là, nous autres, on vend l'idéal. On dit aux gens, c'est ça notre idéal. Et si on est trop réaliste, on va dire, ah, vous nous avez berné, greenwashing, vous n'avez pas été honnête, c'est pas correct. Fait que le courage, c'est d'être transparent, c'est d'être vulnérable. Puis nous, on est beaucoup là-dedans, la vulnérabilité. Parce que quand tu es vulnérable, tu acceptes tes erreurs, tu acceptes que tu as beaucoup de choses que tu n'es pas bon. Et là, tu acceptes de l'aide. Et là, tu acceptes de dire, ah, finalement, on va avancer. Fait que nous, on est là-dedans. Avec B-Side, on est là-dedans avec Abitibi&Co. C'est vraiment naviguer entre le réalisme puis l'idéalisme. Puis anecdote, qui je pense était beaucoup plus de la survie que du courage. Mais quand on a lancé le magazine, là, on dans notre idéal, ça va marcher, c'est écœurant, on a l'appui des gens. Et là, on fait, ah, finalement, quand tu distribues un magazine, 70% des magazines vont aux poubelles automatiquement. Donc là, vous dites, 1000 magazines, t'en distribues par un distributeur, 700 aux poubelles, il en reste 300. OK, le distributeur prend 50% de marge. Il te reste 150 magazines. Et là, tu as des frais de gestion. Là, pour chaque magazine, 1000 magazines que tu vends, on a 150 de revenus. On n'a pas de pub. Donc là, ça marche pas, l'équation. Donc là, collectivement, l'équipe, on a tout réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit, on va partir un Kickstarter. On va lever l'argent. Puis ça va être le nombre qui va nous dicter combien qu'on va imprimer. Donc, on diminue notre risque. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Mais après ça, on avait quand même signé avec un grand distributeur qui, lui, dictait justement le nombre de copies distribuées, le nombre de la façon que c'était pour être distribué. Puis finalement, j'ai dit, ça marche pas, je peux pas scraper 70%. Guillaume et moi, on avait fondé le magazine avec nos cartes de crédit, ce que je conseille pas, vraiment. Vraiment. Puis ça, c'est de la stupidité, là. C'est pas du courage, c'est vraiment, c'était stupide. Mais on n'avait comme pas d'autre option, on y croyait vraiment fermement que c'était pour marcher. Mais là, t'es comme, OK, tes cartes sont loadées, si ça marche pas, tu perds ta maison. Là, j'avais beaucoup, beaucoup à perdre. Et là, on est devenu hyper créatif. Catherine veut s'en rappeler, on a dit, OK, guys, on a un excellent magazine et là, il faut le distribuer. On a loué un VR, on est parti de la Nouvelle-Écosse, puis on s'est rendu jusqu'en Californie, nous autres même, on a distribué le magazine, porte à porte. Puis c'est intense, mais là, il y a comme un côté créatif, de dire, OK, faut louer un VR, là, on se rajoute des frais. Et là, à cette époque-là, on fricotait avec Mec, Bernard, super sympathique, ah, je veux, tu sais, faire de quoi avec Abitibi, mais on pouvait pas rentrer nos bateaux chez Mec, c'est compliqué. J'ai un super bon projet, on travaille des mois là-dessus, c'était écœurant, on va faire un road trip. Ça faisait 2 jours, là. Et là, on dit, parfait, road trip, vous allez avoir des photos, des vidéos, belle association. Et là, on a réussi à aller chercher une commandite de Mec qui payait le VR. Et on est parti. Et là, on a, embarqué un réalisateur, on avait une photographe, une journaliste. Et le réalisateur qu'on a engagé, qui est maintenant notre réalisateur à l'interne, Julien, je l'avais jamais rencontré. Je me rappelle, j'ai fait un post Facebook disant, je cherche un ninja qui peut faire filmer, monter, faire du son et tout ça. Et Julien a levé la main, j'allais prendre un café avec lui. J'ai rencontré 10 réalisateurs, réalisatrices, et c'est le seul qui m'a challengé. C'est le seul qui m'a dit, t'as pas raison là-dessus. J'ai dit, OK, t'es engagé. Et on a passé 30 jours, 30 jours, 5 personnes qui se connaissaient pas dans un VR à traverser le Canada, puis il n'y a pas eu de chicane. Eliane, Catherine, qui sont de chez B-Side depuis le début, sont venues nous rejoindre. Mais ça a été un trip exceptionnel. Mais je pense que c'était pas du courage au début, c'était vraiment une question de survie. Puis je pense qu'il faut faire attention de mélanger ça. Parce que est-ce que je le referais? Pas nécessairement. Je pense que j'aurais peut-être pris une route différente. Mais je suis tellement content de où ça nous a mené. Shit happens. C'est vrai qu'il y a rien qui arrive comme tu le planifies. Puis, chez Abitibi&Co, on a appris beaucoup d'humilité parce qu'au départ, on a eu un succès médiatique énorme. Mais le succès médiatique vient bien avant le succès monétaire et bien avant la stabilité. Ce qui fait que là, ça va bien. Puis là, tu parles à plein de gens, t'es quand ça va bien, t'es quand ah, ça va mal à la shop, là. Puis littéralement, ça va mal à la shop. Et comment qu'on gère ça? Finalement, on a appris plein d'erreurs. Je pense que le bureau de GSoft est comme hallucinant. Je venais d'un milieu comme ça et moi, j'ai essayé de faire ça dans une manufacture. Fait que, horaire flexible, bière le vendredi, ça marche pas pantoute, là.
À 8 heures, s'il y en a qui rentrent, commencent à laminer, mais t'as une demi-heure pour pouvoir, tu sais, faire ta deuxième couche de lamineur. Mais là, lui, il rentre à 10 heures. Là, tu viens de scraper un bateau complet. Ah, ça marche pas pantoute. Là, le vendredi, t'es sa bière. Mais là, finalement, on a quelqu'un qui a un problème de boisson. On avait jamais pensé à ça. Là, t'es quand Fait qu'on a eu beaucoup. On a dû avoir beaucoup d'humilité parce qu'on a fait, OK, finalement, on connaît pas grand-chose à la manufacture. On connaît pas grand-chose à gérer une entreprise, mais on a cette grande idée-là. Puis l'expression de cette grande idée-là peut prendre plein de formes. Mais au final, on a appris à dire, OK, je pense qu'il faut écouter un petit peu plus notre voix intérieure, là, avoir le courage de lever la main et dire, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu avais une question? Cette image-là... Quand que on parle d'entrepreneuriat, c'est difficile de dire c'est quoi un peu ce qu'on vit. Tu sais, on parle souvent d'émotions en montagne russe. Et j'ai essayé de trouver une image pour comparer. Parce que tout le monde dit bah, « ouais, je comprends, tu sais, des hauts, des bas. » Je dis « non, tu comprends pas. » C'est intense. Et imaginez cette pièce-là, c'est comme une pièce avec des miroirs avec plein de points. Imaginez que vous remplissez cette pièce-là avec plein de chaises, avec plein de gogos. Vous fermez la lumière. Et là, vous rentrez avec une balle rebondissante puis vous la garochez le plus fort que vous pouvez. La balle, c'est votre idée. Mais là, elle va rebondir partout. Puis à chaque bond, là, c'est un haut, un bas, un haut, un bas, un haut. Au début, là, c'est intense, ça bande partout, là, c'est hors de contrôle. Puis on est la balle, elle stabilise. Puis là, elle bande tranquillement. Puis là, t'es comme, ah, les hauts, les bas deviennent plus stables, ça fait du bien. Puis à un moment donné, la balle, elle s'immobilise. Puis c'est pas la fin du projet, c'est juste, ah, un certain contrôle. Et tu reprends la balle, t'allumes la lumière. C'est les mêmes embûches, c'est les mêmes projets, mais là, tu es un petit peu plus où tu t'en vas. Puis ça a été dur au début parce qu'émotionnellement, c'était pas nécessairement le courage de partir, mais le courage de persévérer, de continuer. Parce que c'est tough. Tu sais, on a des exemples de succès sont tellement rapides. Salut, j'ai fondé une entreprise, 5 ans plus tard, j'ai vendu à 10 milliards. C'est une infime partie, mais on a cette pression-là. Tu sais, on se compare à tous les grands. Et c'est un peu la notion que nous, on a vécu, cette espèce de haut et bas d'émotion qui est un peu incontrôlée. Ensuite, je sais pas si vous connaissez tous Patagonia. C'est une entreprise pour nous qui est probablement une de nos plus grandes inspirations pour plusieurs raisons. Et il y a eu un film qui a été fait il y a quelques années qui s'appelle 180 degrés sud, qui est excellent. Puis, ce que ça pose comme question, c'est que quand tu arrives au bout d'une montagne, c'est quoi le progrès, c'est quoi avancer? Est-ce que c'est de faire un autre pas puis tomber dans le vide ou c'est faire un 180 degrés puis retourner en arrière? Et ça prend du courage en tabarouette. Nous, récemment, B-Side a eu une belle progression, ça va super bien. On est rendu distribué au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse, Luxembourg. On a 3000 points de vente, ça va super bien. Là, on a démarré un média, on teste le podcast, tout ça. Et là, on va faire un festival de plein air. On a assemblé les 5 joueurs majeurs, la CEPAC, Tourisme autochtone, Aventure Écotourisme, la Fédération des pourvoyeurs du Québec. On a fait un plan directeur. On a vraiment fait toutes les bonnes étapes. 15 000 personnes aux îles de Boucherville pour un transfert de connaissances vraiment à l'extérieur. Et on lançait ça pour juin 2018. On a engagé une dizaine de personnes à la pige. On a travaillé d'arrache-pied pendant un an. Et le mois passé, on a pris la décision de reculer. Et ça, c'était tough. Parce que moi, je me trouvais à être le responsable du festival, mais là, toutes les autres personnes dans l'association sont les directeurs généraux de ces organisations que je parle là, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont beaucoup plus les reins solides aussi, tu sais, au niveau de l'entreprise. Et là, on avait des rencontres à tous les mois avec les DG. Je dis, je le file plus. Je pense qu'on est trop à dernière minute. On a des super belles associations, ça va bien. On est prêt sur tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu rushé. Et finalement, ils ont tous salué ça, ils ont dit, tu sais quoi? Tout le monde a fait, ah! Et on l'aurait fait. On a toujours livré et on aurait fait une super belle job, ça aurait été écœurant. Mais je pense qu'on aurait eu la langue à terre, on n'aurait pas eu de fun. Puis au final, on aurait peut-être sorti de là un peu plus écorché que plus fort. Donc là, on l'a remis en juin 2019. Et depuis ce temps-là, mais là, le ministère du Tourisme, c'est comme, hey, nous, on veut être là. Le ministère de l'Éducation avec les fédérations, nous, on veut être là. Et là, on fait, ah, finalement, d'avoir pris un pas de recul, ça a été probablement une des meilleures choses qu'on aurait pu faire. Ensuite, pourquoi? Je pense que c'est important d'avoir la mentalité d'un enfant de 2 ans, des fois, et de questionner. On est une génération qui parle beaucoup. On parle beaucoup parce qu'on a les réseaux sociaux, on a des moyens de parler, mais on n'écoute pas beaucoup. Et c'est important de juste poser des questions pour savoir
pourquoi on perd 70 % de magazines? Pourquoi les canaux n'ont jamais de couleurs différentes dessus? Pourquoi finalement on scrape et on fait des objets qui durent finalement 3 ans? Pourquoi on mange pas de grillon? Non, mais c'est vrai. Comme pourquoi qu'une vache est plus appétissant qu'un grillon? T'sais, c'est des conventions, mais on se pose pas de questions. Et cette nature-là nous a forcé aussi à faire des décisions qui sont courageuses, mais dans un day-to-day. Et quand on dit pourquoi on aurait un publicitaire de plus, ben parce que ça va être plus rentable. Ouais, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on fait la même chose? Et de se questionner, c'est continuellement prendre des mini décisions de courage qui finalement te retrouves à dire ben ah, on met plus de risques, on met plus d'efforts, ça va être un petit peu plus long, ça va être un petit peu plus tough. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis nous, on est là-dedans, là. On est dans le questionnement continuel. Puis ce questionnement-là te permet aussi d'optimiser. Parce qu'on n'avait pas la vérité infuse. T'sais, nous, on sait qu'avec B-Side, notre but, c'est créer des ponts entre l'humain et la nature. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est peut-être un magazine, c'est peut-être un festival, c'est peut-être des chalets, c'est différentes formes d'expression. Mais si on se questionne pas, on va peut-être juste faire un magazine et on va penser que nous autres, ce qu'on fait, c'est des magazines toute notre vie. Puis finalement, c'est pas ça. Si on veut rapprocher l'humain de la nature. Puis pourquoi on veut faire ça? C'est que 82 % des gens habitent en ville, 82 % des gens veulent une connexion plus proche avec la nature. Étrangement, on est la dernière génération ici à avoir accès à des grands-parents qui ont vécu de la Terre. Puis si on ne questionne pas nos grands-parents, ben nos enfants vont nous demander « Hey, père, comment tu fais un arbre, sa longueur? » Aucune idée. « Comment je fais un filet de poisson? » Aucune idée. « Comment je pars un jardin? » Aucune idée. Quand même impressionnant, le 60 000 ans de savoir. Fait que nous, c'est ça notre objectif. Mais si on ne se pose pas de questions, on va peut-être rester dans un schéma de « on fait un magazine imprimé pour telle raison ». Puis, quand on le fait collectivement, mais tout le monde contribue à ça. Ça, c'est ma belle équipe chez B-Side. Et j'ai pas de photos récentes d'Abitibi&Co, mais le courage, c'est une affaire d'équipe. Je l'ai dit au début, c'est pas moi qui étais courageux quand on a parti à Abitibi&Co, c'était Guillaume. Puis c'est moi qui se retrouve souvent sur les planches à parler. Mais cette gang-là, ça, c'est une gang de courageux bien plus que moi. Parce que moi, j'arrive en avant, puis on va faire ça. Mais eux autres, ils y croient. Puis ils le savent, là. C'est tous des gens qui ont eu des carrières exceptionnelles. C'est des gens qui ont des talents exceptionnels. C'est des gens qui pourraient aller n'importe où dans une stabilité. Mais ils prennent tout le risque de rentrer dans un start-up, de faire les choses différemment, de se questionner, de questionner les autres, de faire face à ça. Puis je pense que c'est important que le courage soit transféré. Parce que si, tu sais, la notion de cette image-là qu'on a parlé au départ, quand je l'ai écrit, pourquoi j'ai choisi ça, c'est que quand tu pars en entreprise, tout le monde d'un gradin te regarde. C'est comme, ah ouais, pas une compagnie. C'est cute, ça, tu sais. Puis là, on est tous voyeuristes. On est comme, ah, ça marchera pas, ça va se planter. Puis là, ils sont comme, ah, c'est sharp. Ils sortent dehors, c'est comme, ça marchera pas. Fait que là, t'as cette espèce de notion-là que tout le monde dans les estrades te regarde. Puis à un moment donné, tu te retournes, puis il y a personne dans les estrades qui te back. T'es comme tout seul. Puis quand tu transfères cette notion-là des risques, cette notion-là d'effort à ton équipe, ben, t'es plus tout seul. Puis finalement, ce courage-là devient juste comme collectif. Puis ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important de ne pas garder ça à l'intérieur. Puis pour moi, c'est important que tout le monde ici sache que le courage, c'est pas moi qui l'a, mais c'est mon équipe. Puis cette équipe-là, ben honnêtement, sans eux, il y aurait tout simplement rien qui fonctionnerait. Fait que c'est ça. Merci.